Ça y est, tu es rentré dans le tunnel, les autres vous allez suivre, j'imagine. Oui, bien sûr. Je vais décrire des choses génériques qui vont changer que si je dis que ça change. Les parois sont faites en matière organique, pour le coup, comme disait Taki tout à l'heure. Vous marchez dans littéralement un furoncle. Ce qui est évident, il n'y a besoin d'aucun jet là-dessus, c'est que ça a été creusé par des griffes, par des dents, par des outils. Il y a visiblement des créatures qui essayent d'atteindre cette citadelle en y ayant creusé un tunnel. Je vais vous transférer de map parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de donjon, hein, évidemment. Le joli je bloque dans le chat. Et vous allez trouver ça sûrement très très bizarre. Je vais y afficher aussi pour le chat si j'y arrive. C'est où? C'est là. Hop. Un petit buisson a son effet. Oui. Le petit buisson, il est resté dans le véhicule. Faudrait pas qu'il ait peur. Par contre, les gens, ils suivent plus du tout l'aventure, quoi. Je veux dire, c'est petit buisson, la nouvelle mascotte, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou. L'épisode, il va s'appeler comme ça, de toute façon. On s'en fout du scénar, petit buisson. Petit buisson. Et l'épisode prochain, c'est petit buisson, épisode 2. On redémarre le nombre d'épisodes. Petit buisson à la plage. La campagne, ouais. Vous remarquerez que sur cette carte, tout se présente un petit peu différemment. Rien n'est à l'échelle, je le précise. C'est une carte en vue, en coupe. Vous vous déplacerez sur l'axe avant-arrière, en haut ou en bas, mais pas en profondeur. C'est une vue, une side view, en fait, du complexe de tunnel que vous allez explorer maintenant. Il y a ça, il y a devant. Mais avant que je décrive ça un peu plus, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Une pausette d'une petite dizaine de minutes. En mettant, on se retrouve vers 22h30 pour arrondir. Donc 7 minutes. C'est devenu les personnages secondaires, c'est Tibusson qui récupérera les pizzeries. Mais ouais, c'est devenu le héros. Hein. On le sait. Hein. Yata J'ai envie de faire comme dans Shrek, tu vois. Genre, lancer agrandissement sur Tibusson, éveil sur Tibusson, et puis ça va faire comme petit biscuit. Libérer les eaux. Voilà. Je paye pour voir ça. Par contre, je vous inviterai, donc vous avez le contrôle sur vos tokens sur cette map là. Je vais faire une petite quand même description rapide du lieu. Je check juste parce que le stream n'a pas la vue sur le token de l'araignée. Hop. Much better. C'est une croûte. Voilà. Ah, la croûte que tu fais sur Dinplay. En anglais. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, ouais, bah ça marche plutôt bien, effectivement, ouais. Ça marche plutôt bien au truc. Alors, si vous êtes prêts, je vous propose qu'on rattaque. Yes. Oui, j'avais pas de réponse, je savais pas si. Non, mais c'est vrai, je savais pas si. Ah mince, pardon, j'avais coupé mon micro, mais non, oui. Pas de soucis. Vous voilà donc rentré dans cette. Tu transformes en araignée. Ça, oui, c'est gros bail de l'attaque à vue. Ah, on me l'a une. Oui, parce que je vous dis, laissez-moi, je passe devant et je me transforme en assez grosse araignée, effectivement, avec les yeux bleu clair, comme je disais, une petite particularité de celle-ci et. Et vous me voyez, vu que c'est un tunnel et que c'est une araignée, je vais marcher au plafond. Un peu au-dessus et devant vous. Et avec les sens aux aguets. Pour voir si je peux voir en amont les dangers qui alors, nous attendent. De toute façon, vous verrez, vous découvrirez au fur et à mesure que ce Dungeon Chronicles ne sera pas tout à fait comme les autres. Je vous laisserai la surprise de voir pourquoi plus tard. Déjà, la map, elle n'est pas hyper jolie, c'est celle du bouquin de base, j'en ai pas trouvé de mieux, j'ai pas eu le temps d'en faire une plus belle. Comme je le disais, première chose, elle n'est pas à l'échelle.
Donc c'est pas de mesurer des distances. Déjà, j'ai laissé en retard unit pour que ça vous agace et que vous ayez pas envie de mesurer des distances. En plus de ça, c'est une map, je disais donc tout à l'heure, en side view, donc une vue en coupe. Donc là, ce que vous voyez, c'est en haut, c'est plus haut en altitude, et en bas, c'est plus bas en altitude. Ok. Ok. Le tunnel descend, en fait. Le tunnel, il descend, là, voilà. Donc en fait, je suis là. Voilà, dans ce cas-là, le tunnel, il descend. C'est pas une vue en plan, je sais que ça perturbe beaucoup. Mais je trouvais ça intéressant de le jouer de cette manière-là aussi. Toutes les surfaces, tant que je dis pas l'inverse, sont comptées comme des surfaces spongieuses, comme de la chair, en fait, un petit peu. Un espèce de bouton de fièvre, là, qu'on n'a pas percé, dégueulasse. Ça sent le sang partout. Tous les liquides que vous allez voir ou entendre ou quoi ou autre, ce ne sont que du sang pour le coup, comme si c'était vraiment un organisme vivant dans lequel vous vous trouviez actuellement. Vous allez évidemment, vous savez que cette map elle est très schématique. C'est plus un croquis, un petit plan fait à l'arrache, hein, contrairement à un truc fait à l'échelle tout beau tout propre. Mais ça représente bien ce que vos personnages ils vont vivre, parce que pour le coup vous allez vous déplacer dans un environnement complètement étrange qui était pour le coup taillé avec des griffes, avec des dents, avec peut-être des outils qui étaient creusés littéralement dans ces structures vivantes pour atteindre la citadelle que vous aussi cherchez à atteindre. Je vous laisse contrôler vos tokens et par moment je vous dirai d'arrêter parce que j'aurai des trucs à décrire, comme d'habitude. Vous allez avancer dans ce tunnel qui dans un premier temps va descendre tranquillement, le tunnel... Hein? Ma vision qui a diminué en descendant. Oui, c'est normal, j'ai changé l'échelle de la carte. Ah, ok. J'ai changé l'échelle de la carte pour pas que vous voyez trop loin, en fait. Ça paraît con, mais pour garder un côté peu suspense. Vous allez avancer péniblement. C'est, comme dit, c'est spongieux. Je me permets d'avancer ton token, ça y est, au fur et à mesure. On garde la proximité. C'est pour pas que je le perde. C'est ça. Par contre, j'ai pas le mode explorateur, je crois, qui est activé. Effectivement. Voilà. Oui, effectivement. Oui. Ça sera bien mieux comme ça. Ça hop là. Je reviens au début. Ouais. Hop. Voilà. Comme ça, vous saurez où vous êtes passé au retour. Ce sera plus simple pour vous y repérer. Vous allez avancer, puis quelques dizaines de mètres après avoir. Être entré dans ce tunnel, donc il y a Lulu, je mets pas son token pour pas surcharger la map ou quoi, mais Lulu elle va suivre Groba pour le coup, être sur ton épaule comme d'habitude. J'ai la cam qui rame, je sais pas pourquoi. Lulu elle va vous suivre de toute façon, soit en voltant, soit sur l'épaule de... Pourquoi j'ai ma cam qui rame comme ça, c'est un truc de fou. Vous allez apercevoir très rapidement, une fois que ce tunnel retrouve un niveau à peu près plat, sur votre gauche, vous allez voir que la partie organique du scab, là, de cette croûte, de ce furoncle, a été tellement grattée qu'on aperçoit maintenant les murs de la citadelle. Et notamment, comme vous le voyez sur la carte, ici, un immense vitrail, dont les couleurs dominantes sont le bleu et le jaune, et qui dépeignent une figure d'une beauté presque surnaturel. Cette figure est un ange, aux ailes déployées. Là où vous êtes, ceux qui ne marchent pas au mur pourront descendre en trouvant, peut-être en s'accrochant, se laissant tomber dans ce truc spongieux, en sautant un petit peu plus loin, en descendant une corde. Mais vous ne pourrez pas monter, sauf à dos d'araignée pour le coup. Même en sautant. Si je vois qu'il y a des difficultés, ouais. Est-ce que je peux leur faire genre un fil en fait ? Dans ce cas, oui, ça me va. Oui, oui, complètement. Voilà. L'idée est bonne, c'est validé pour moi. Oui, oui, complètement. Donc, Après, est-ce qu'on veut monter ou est-ce qu'on veut descendre ? Lulu a dit qu'il fallait descendre. Lulu, elle a dit qu'il fallait aller en bas. Okay, bah, après voilà. Lulu elle connaît pas le détail du chemin hein, pour le coup, elle ne sait pas le parcours. Et le vitrail, du coup, vous voyez l'araignée descendre. Pardon, j'ai pas entendu Gromba. Le vitrail, tu dis qu'on voit un vitrail, mais genre on pourrait passer à travers pour rentrer dans la citadelle ou... Bah tu peux essayer si tu veux. C'est pas on a l'impression d'être à l'extérieur des murs, c'est vous ça êtes à, vous avez l'impression d'être à l'extérieur des murs, ouais, pour le coup, vraiment. Et on voit pas à travers le vitrail. Vous ne voyez pas à travers parce qu'il brille d'une lueur bleue et jaune aussi.
Comme si les vitraux étaient luisants, en fait. Comme si les carreaux qui composaient ce vitrail étaient eux aussi luisants. D'ailleurs, j'ai une illustration qui va avec. Pas l'illustration, le son qui va avec, plutôt. Oui, il y a un fil là. Ça me va. Où on descend, c'est ça ? Vous voyez qu'en bas, le... vous continuez de longer ce mur, en fait, dans ces tunnels humides, spongieux et grotesques. Vous voyez qu'en bas, vous discernez, comme on peut le voir en arrière-plan de la carte, distinguer des colonnes qui devaient composer un petit peu ce qui doivent composer le mur extérieur de ce donjon, de cette citadelle. Laisse me dire où vous allez. Est-ce que quelqu'un regarde un peu ce vitrail en détail ou pas d'ailleurs ? Et moi, quand je le vois briller, je claquerais bien un de mes sens de la magie, donc fermer les yeux, les rouvrir tout vert. Ouais. Et bah, c'est comme, enfin, je vois l'école de magie. Même si Groba comprend moyennement ça, mais. Je pense que c'est une école. Que... Vas-y, Aïfine, pardon. Non, mais tu parlais du vitrail, etc. Ouais. Mais. On peut marcher dessus ou pas ? Non. Pas trop. Parce qu'il n'est pas au sol, en fait, il est au mur. Ah, il est au mur, pardon, excuse-moi. C'est une vue en coupe, encore une fois. Hein. Faut s'imaginer vraiment que vous ne marchez pas dessus. Oui, non. En fait, là, quand tu descends dans le tunnel, il serait à ta gauche. Et ce serait le mur gauche du tunnel, quoi, si tu veux. Tu vois ? Il est vraiment. Il est immense. Ah, il est hyper grand. Ouais, il est vraiment hyper grand. Il doit faire ses 5 ou 6 mètres de hauteur, hein, facile. Hein. C'est vraiment un grand vitrail pour le coup, il est magnifique, il rayonne, il brille, il luit. Et pour Groba qui claque son sens magique, c'est une école qu'on voit pas souvent, c'est celle de l'abjuration. Ah. Oh. Et tu te sens attiré par ce vitrail, Groba. Ah bah si je me sens attiré, je vais essayer de sauter et d'aller... Bon après il y a des endroits, encore une fois c'est schématique. Hein. Moi, si vous me dites je m'approche du vitrail, si je vous dis pas que c'est impossible d'y aller, on est en PBTA aussi, hein, je veux dire, on est en co-narratif, y a pas de problème. Je vais remonter la vision. Y a pas de, voilà, si je vous dis pas d'infos là-dessus, vous pouvez broder et tourner autour, y a pas de problème. Hein. Comme d'hab, de toute façon. Ouais, si je me sens attiré, je vais y aller. Je vais aller toucher, je vais aller voir, essayer de regarder à travers. Tu n'arriveras pas à regarder à travers, mais en revanche, quand tes doigts effleurent le vitrail, tu sens l'énergie qui émane de ce temple, qui est d'une bienveillance comme tu n'en as pas ressenti depuis, je pense, des mois, honnêtement. Tu sais, okay. C'est comme ces moments que tu partageais avec ta famille avant tout ça, où vous étiez toutes et tous ensemble. Il y avait Mahour, qui avait Albin, qui avait vos parents, votre famille, et que vous passiez juste un bon moment, tous ensemble et tout ensemble, à manger, à rigoler, à peut-être toi, à sculpter un petit truc dans le bois. Tu sais, ce genre de souvenirs qui te font vraiment du bien, qui te font chaud au cœur. Quand on restait éveillé tard. Les bien. Les fameux couches tard. Ouais. Et en termes de mécanique, tu viens de gagner 20 points de vie temporaire. Ok. D'accord. Par contre, tu sens aussi, je le compte dans le sens de la magie, dans le sens de dans ton pouvoir à toi, ce verre est incassable. Ok. C'est une magie extrêmement puissante qui était là, à l'œuvre. Lulu le contemple aussi. Oui, mais du coup, je mets à sourire un peu... Pareil, je partage pas trop. Groba, il partage pas trop ses émotions, mais il a l'air un peu plus apaisé du coup que d'habitude au contact de ce miroir et à ses souvenirs qui lui reviennent en mémoire. Ah, c'est bien beau tout ça, mais faut voir où ça nous mène.
Ah, on pourra pas passer à travers. Mais... à part ce qu'il y a là autour, ça a l'air d'être un bon endroit. J'ai un bon pressentiment. Attends, tu veux dire qu'il y a un bon endroit ici, dans ce fatras de merde et... Excuse-moi, je suis peut-être sceptique, mais... C'est joli, regarde. Ça brille. Je vais regarder, du coup. Je le trouve beau, mais... sans être particulièrement attiré par ça, quoi. Ouais, bon, y a rien de particulier. Ça ferait bien dans une baraque cossue, quoi. Une belle pièce, en tout cas. Mais... c'est vrai que ça a pas grand-chose à foutre ici. Bah, on est d'accord. Bah, c'est Lulu qui a dit qu'elle avait construit cette citadelle. Ça m'étonne pas qu'elle ait construit quelque chose d'aussi beau et d'aussi paisible. Hein, Lulu ? Elle est en pleine contemplation, en fait, du... En pleine contemplation, pour le coup, du vitrail, elle aussi. Elle va l'effleurer avec sa trompe, pour le coup, comme si elle essayait de caresser un souvenir. Tu vois qu'elle avait très lointain de ça. Elle dit, je me souviens. Et ça représente ce que je m'imaginais de Zariel à cette époque. Elle était magnifique. Si belle, si parfaite. Il faut vraiment qu'on arrive à la sauver. Bah oui, on l'a vu dans tes souvenirs et c'est vrai qu'elle était très belle. On doit aller par là ou par là? Et il montre du coup... le tunnel. Par, ouais. Genre, parce qu'il y a un tunnel par là et il y a un tunnel par là. Du coup. Ouais, c'est ça. Le tunnel en bas ici, là. Ça pourra vous... Ça semble déboucher sur une pièce plus grande. D'accord. Là ça se rétrécit pour le coup. L'araignée pourra passer, mais aura du mal. Et je vais me permettre d'introduire une nouvelle chose. Attendez vos tokens, pas plus loin. Hop, 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 ah, l'araignée, pardon, tu peux revenir un petit peu. Merci. Je vais introduire un nouveau truc. Ça va rappeler des souvenirs à certains. Souvenez de ce petit symbole sur Vecna. Ah. Ces petits symboles. Je vois pas le symbole, mais je sais de quoi tu parles. Voilà. Oui, je vois pas non plus, mais très bien. Ces petits symboles qu'on voit sur le stream, pour le coup, ce sont des symboles que quand vous marchez dessus. Si la macro fonctionne, normalement oui, j'ai testé avant. Ça vous emmène vers d'autres cartes, vers d'autres lieux dans ce donjon. Normalement là, ça devrait carrément vous faire changer de page, donc paniquez pas en marchant dessus. Je sais pas pour les créatures de taille grande comment ça se passe. C'est expérimental sur Roll20 encore, donc il y a un monde dans lequel ça marche pas, auquel cas je ferai les déplacements à la main. Mais tous ces trucs-là représentent des nouvelles salles. Des choses que vous allez voir dans cet endroit purulent et horrible. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. De mémoire, vaut mieux se déplacer à la souris, je crois. Oui, vaut mieux se déplacer à la souris dessus, pour le coup. Par contre, je sais pas pour le stream, par contre, pour les gens qui nous regardent, là, il y a un monde dans lequel ça fonctionne pas du point de vue du stream. Hein, parce que lui, il a pas de token, le stream, il voit juste les tokens des gens, donc je sais pas du tout comment ça se passe dans ces cas-là. Ça va être la découverte. Donc après, voilà, je vous l'informe que si vous marchez sur ces pions-là, ça va vous changer. Normalement, ça devrait vous déplacer tout seul. Mais bon, comme d'hab, à tous les coups, vous allez le faire, ça va pas marcher, et puis je vais bien l'emmerder. Mais peu importe. Dans tous les cas, là, vous voyez que ça débouche sur une autre pièce. À droite, le tunnel se resserre, pour le coup. Et en haut, idem. Et tu contestes ? Est-ce que ça a marché ? Elle a rien... toujours là. Ah, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Pas. Ah non ! Par contre, j'en vois un autre. C'est des portes cancelled. Ah non ! Par contre, il y en a un autre au bout de la pièce. Essaye l'autre, s'il te plaît. Celui-là non, celui-là, il est censé amener un... Ouais, celui-là, ah. Il marche. Oui, j'ai disparu. Et oui, c'est normal. Attends. Hop, je vais bouger avec mon deuxième token aussi.
Par contre, je sais pas où je suis. Tu vas nous faire changer de map pour qu'on voit la pièce et puis qu'on ouais, c'était pièce, ça, voilà. Mais là, ça a pas marché. Aïe. Pourquoi il me dit ça? C'est trop chiant. Je suis trop deg en vrai. Peut-être qu'il faut taper dessus. C'est pas très grave. Voilà, il y a eu des autres. Est-ce que je touche? Il y a eu des. J'ai supprimé ce jeton-là. C'est pas très grave en soi. Hop là. Après celui-là, je crois savoir pourquoi il marche pas. On verra sur les autres. Peu importe. En plus, je viens de caler que j'avais fait une erreur de niveau pour moi sur mon. Donc au final, c'est pas plus mal que ça marche pas. Comme vous pouvez le voir. Alors le chat il voit rien, c'est normal. On passe de l'autre côté en fait. Ouah, c'est expérimental, je suis trop désolé. J'ai passé le token du chat dessus. Non, mais maintenant Kaifin a bougé, on le voit sur le chat. Hop là. Sur Discord. Sur Twitch. Je vais y arriver. Sur l'internet. Ça a marché pour tout le monde là, c'est bon? Oui. Ouais, oui. Ok. Ouais. Bon, en fait, c'est pas plus mal, je me suis trompé parce que je m'étais trompé d'un niveau dans la pièce. Donc, en fait, là, c'est juste que ça s'élargit et c'est tout. Le MJ est pas bon, en fait. Mais vous remarquerez que, du coup, en fait, les bords de cette carte-là communiquent avec l'autre côté, au final. Pour gagner un peu de place dans le. Sur, pour pas faire une map en fait, énorme. On fait le tour de la citadelle, quoi. Bah, c'est pas vraiment ça, mais c'est plus sur le. Enfin, bref, c'est plus le côté de la map qu'ils ont gagné de la place en faisant les niveaux contigus, en fait. C'est plus ça. Mais du coup, ça c'est géré, ça marche, donc ça c'est cool. Ça vous téléporte d'un côté à l'autre de la map, donc ça c'est bien. Pardon pour ça. Vous allez donc continuer d'avancer dans cet évasement un petit peu, vous avez peut-être plus de place pour vous promener. Bah, c'est, ça va être serré par là. Ouais, bon après tu passes quand même, hein. C'est étroit mais tu passes. Hein. Tout se resserre, ça ressemble à des boyaux. Ah, un autre symbole. Est-ce que ça a marché ce coup-ci? Non, j'y suis pas encore. J'avance tout doucement parce que je sais pas si j'ai le droit. Là, tu peux. Non, il veut pas le faire. Putain, j'ai trop le seum. Ouais. J'ai trop le seum. Moi, quand j'ai fait mes tests avec mes tokens, ça marchait nickel. Franchement, j'ai trop les boules. Je vais vous faire le transfert à la mano. Là, c'est marqué A remove, A trigger target. C'était déjà comme ça avant, ce truc, je sais plus. Ouais, non, mais moi j'ai des messages d'erreur de la part du plugin en fait, donc je sais pas ce qui a merdé. Ah putain, je suis le seum. Désolé. Object was not found on the destination page. Ah. Ok. Peu importe, je vais vous déplacer à la main sur cette pièce-là. Vous allez entendre au loin des cris, pour le coup, des cris de créatures. Vous déplacez à la mano. Hop. C'est sur celle-là. Du coup, ça prend un peu plus de temps. Oh, je suis désolé. Wow. Ah! Je crois que j'ai compris pourquoi. Attends. Ah putain, si c'est ça, c'est très con par contre. C'est très dommage. Je pourrais pas faire ce que je veux. Mais c'est pas grave. Alors, attends. Tech, est-ce que vous pouvez essayer de vous redéplacer avec vos tokens? Oula, attends. Il fait tout noir! Ah, ça a marché pour le stream aussi, nice. C'était juste. C'est parce qu'il n'y avait pas vos tokens de l'autre côté en fait. Ils ne pouvaient pas vous générer en fait. D'accord. J'ai pas mis vos tokens sur l'autre layers, en fait. Mais ouais. Par contre, j'ai pu en passer que un. Oui, j'ai pas créé l'araignée géante de l'autre côté, c'est pour et ça. Et donc là, on est de retour en vue 2D du dessus. Là, vous êtes en vue de, en retour en vue du dessus, ouais, effectivement. Je suis désolé pour les soucis techniques, je découvre aussi en même temps, donc. Oh, mais y a aucun souci, attends. Mais c'est, si ça peut marcher pour les prochains, c'est cool. La map, c'est une feature, autant s'en servir. Hein, ouais. Bah, c'est ce que je me dis en fait, ouais. Comme je le disais, vous allez voir des. Entendre plutôt des cris au loin. Tout le monde est sur la nouvelle map, du coup, c'est bon? Ça a marché là-dessus? Ouais. Ok, super. Vous allez entendre des cris au loin, comme on entend un petit peu sur l'audio en bruit de fond. Ils ont pensé à le faire et c'est chouette.
des sortes de gros râles qui sont en train d'être poussés par deux immenses créatures. Si vous vous avancez, vous les verrez. Il s'agit, vous n'avez pas à vous avancer beaucoup pour le coup, il s'agit des Zrous. Ce sont des créatures fort sympathiques. C'est quoi le raccourci déjà pour augmenter le token? Ah, c'est ça. Toc. Quelque chose Z. Ouais, c'est Shift Z. Ouais, c'est Shift Z, c'est ça, ouais. Ce sont des créatures grotesques qui sont en train d'essayer de se jauger, vous savez, à la manière de deux chats qui essayeraient de se dominer l'un l'autre en prenant le plus de masse possible, le plus de volume possible. Et ils sont visiblement en train de se battre pour le cadavre d'un diable qui flotte sur la il n'y a pas d'autre mot, sur la piscine de sang dans laquelle ils sont. Pour le moment, ils ne semblent pas vous avoir remarqué. D'ailleurs, je vais enlever le token en gros. Hop là. Et d'ailleurs, je précise qu'il y a aussi, je vais le rajouter, parce qu'il y a une erreur sur cette map, le mappeur qui l'a faite, donc pas moi en l'occurrence, pour le coup. Il n'y a pas de sortie en face. Hein. Donc en fait, la map, elle est coupée comme ça. Je crois que pour l'instant, on voit pas en fait. Voilà. Non, mais vous verrez après, mais là, normalement, il y a une erreur sur la map en face. C'est bon, vous voyez là normalement. Vous avez la vue et tout. Ouais. Ouais, donc vous voyez les deux les deux Zrous qui sont au milieu. Ils sont en train de se jauger pour le coup. Ils sont en train de vraiment vouloir se battre pour le diable qui flotte dans l'eau. Enfin, dans l'eau, dans le sang plutôt. Comment vous réagissez à ça? Il ne semble pas y avoir d'issue à la pièce. Néanmoins, vous voyez que le diable a une épée plutôt fancy. Une épée, non, c'est un glaive d'ailleurs. C'est des filons, ces créatures-là? Ces créatures-là, ce sont des... Roll20 qui rame, ce sont des démons, pour être précis. Mais ce sont des filons, oui. Ok. Et pas des diables, ce sont des démons. Saya est probablement la première à les voir et je sais pas parler mais je sais communiquer via Lulu. Oh oui, pas de problème pour ça, oui. Et voilà, donc je via Lulu en fait, il y a deux créatures devant nous. Ils nous ont pas vus pour l'instant. Ils sont en train de se jauger, ils vont clairement se foutre sur la gueule. Je me saisis de ma hache et je suis prêt. Clairement, si on attend un peu, ils vont peut-être s'entretuer tout seuls. Au moment où tu dis ça, le premier coup est porté par l'un des Zrous. Il met une énorme mandale à son pote. Oh, le métal! J'étais pas prêt. Je pensais que t'avais oublié de mettre de la musique. Non, non. Mais avec le lien, je l'ai pas. Attends, je vais remettre. Vous les entendez qui se foutent sur la gueule les uns les autres. Très clairement. Apparemment, les Zrous fight pour eux, c'est fight avec les PJ quoi. Alors que pour le moment, ils se battent juste entre eux. De ce que tu vois, ton plafond, Saïa, tu vois qu'il n'y a pas d'autre issue à cette pièce. Le seul truc un peu intéressant, c'est le glaive de la créature qui est dans l'eau. Qui d'ailleurs a déjà été mangé en partie. Le glaive ou la créature? La créature. Le glaive est très clairement magique, hein, ça se voit. Parce que lui, le sang ne semble pas adhérer sur sa surface. D'accord. Il est prêt. T'es sûr que c'est par ici? Parce que je vois pas de sortie. Moi non plus. Je ne sais pas, mais je ne vois pas bien au fond de la pièce, mais je ne sais pas si nous sommes sur le bon chemin. Et puis avec cette odeur, j'ai du mal à me concentrer. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont en train de se foutre des énormes mandales, hein, très clairement. Ils se tabassent la gueule, comme des grands. Laissez-les au moins s'entretuer, comme ça il en restera plus qu'un. Ils essaient de se mettre des coups de griffes, ils essaient de se mordre, ils essaient de s'étouffer les uns les autres, ils se mettent des grosses mandales.
Je vais vous demander si vous restez assister à ce spectacle, un jet de discrétion chacun, s'il vous plaît. Je vais utiliser ce cachet. Oh. Oh. Tu dis une action, j'imagine. Une action bonus. Oh. Tant. Oh. Oh. Bien. Bah dis donc. Ça pourrait encore être. Ah bah non, les moines n'ont pas cette option. Discrétion. Ça peut être un gobelin. Oui, je suis option un gobelin. J'ai ri Roland Gob. En vrai, je suis choqué. Oh, ça a été fait, déjà. Mais la prochaine campagne, copain. Va en discrétion, Elphine, d'accord. Ok, très bien. Ils ne vous ont pas du tout remarqué, pour le coup. Lulu, bon, elle n'a pas besoin de passer à ce cage à n'importe qui, elle est planquée. Ils ne vous ont pas du tout remarqué, en fait, au bout de une petite minute de combat intense. C'est extrêmement violent, hein, Isro qui se bat. Hein. Vous voyez que quand ils se mordent, ils s'arrachent des bouts de chair, ils se tranchent le corps et tout. Il y en a l'un des deux qui ressort victorieux de son combat pour le coup, après avoir complètement ratiboisé son ancien pote. Mais vous voyez qu'il en ressort pour le coup fortement blessé. Alors qu'il hurle de victoire dans la caverne, il commence à boulotter, non pas le diable pour lequel il se battait, mais il commence à boulotter son pote Ezrou. Okay. Moi, je vais dessus et je vais aller l'attaquer. Hein. C'est exactement ce que je vais dire. Instantanément, je vais gueuler et foncer dessus. En même temps que son cri de victoire, il y aura un cri d'engagement de la part des deux. Ça me va, allez-y, faites vos actions. De toute façon, il vous a pas remarqué. Donc il se retourne très surpris. Je vais y aller en attaque téméraire, hein, perso. Ok. J'allais dire peut-être avant ça. Trop tard, il a agi. Il a agi, ok. En fait, pendant tout leur combat, Groba, il était là avec sa hache. Je vais y aller. Attendez que ça. Dès qu'il y en a un qui tombe, bam, il fonce dessus. Bien. Que tu considères qu'on prend en compte notre déplacement par rapport à là où on est ou... Oui, là, c'est à l'échelle, par contre. C'est ma plat en vue. C'est ma plat en vue, en plan, elles sont. Moi, j'ai 12 mètres, donc c'est ok. C'est parce que je voulais lui balancer un petit peu de toile sur la tronche, c'est tout, voilà. Tu peux me faire tes dégâts sur les deux attaques, hein, Groba. Les deux touches. J'ai pas la rage par contre, du coup ça fait. Ouais, se battre, ça fait 17. Ouais. 17, oui. C'est noté. Il prend un méchant coup pour le coup. Tu viens de le réouvrir une des plaies qui était déjà ouverte. Est-ce que quelqu'un porte une autre attaque ce tour-ci avant qu'il réponde ? Cela c'est vous puis lui, techniquement. Attends. Ouais, non, je vais pas faire ça tout de suite. Non, c'est bon. Ok. Les autres ? J'aurais peut-être dû passer en rage, sachant que Bern n'arriverait pas. Ah, tu lui lances là ? Bah oui. Ouais, ok. C'est une attaque vraiment ? Est-ce que ça touche ? Mal codé ? Oui, c'est une attaque. Ça ne touchera pas. Ah, mince. Elle a pas un avantage parce qu'elle était discrète ? Si, complètement. Pris, ouais, si, bien vu. Ah ouais, en si, fait, si. Non, t'as raison. Moi, j'avais pas besoin de faire mon. Ça fumble. Ah. avantage très utile. Et moi, du coup, j'avais pas besoin de faire ma reckless pour avoir l'avantage. C'est juste. Je suis pas en reckless. C'est juste. Les autres, une action offensive. Vous voyez passer à côté lui... de vous des toiles. Une poule de soie, c'est ça. En fait, toujours au plafond. J'ai une question, Groba. Est-ce que t'es un mort-vivant ou un filon ? À ton avis. Moi, je vais vendre. T'as jamais claqué d'essence divin tout près de Groba ? Ouais, t'as une scie. Ce serait quand même pas marrant d'avoir attendu de la jusqu'au fin, niveau tu sais. 11 pour dire je suis un mort-vivant. En fait, Groba, c'est l'ami imaginaire de Alba, tu sais, sauf qu'il l'a zombifié et voilà.
C'est ça. Il en avait marre que personne ne croit qu'il existe, du coup il l'a ressuscité. Le truc horrible. C'est tout pour les actions offensives ? Ouais, parce que moi je vais me déplacer, en vrai je vais foncer vers le cadavre en fait, tout simplement. Ils sont en train de se battre, je vais les laisser s'amuser. Oui, puis bon, il est complètement au bord de la mort déjà, le machin. Hein. Il s'est fait bouleverser. Voilà, précipité en action bonus. Mais il a déjà fait se cacher, il peut pas en faire deux quand même, faut pas déconner. Non, je vais faire foncer et hop, je vais aller faire le cadavre. Donc l'arme qu'il a, c'est, en anglais c'est glaive, mais c'est une espèce de lance en fait, au final, hein, une espèce de hallebarde. Tu reconnaîtras immédiatement le caractère très magique de cette arme qui est une arme plus 1. Une coutille, oui c'est ça, coutille. T'as carrément raison, c'est une coutille plus 1 du coup qui est au sol. Enfin qui est au sol, qui est tenue à peu près par la main crispée par le demi-cadavre qui est devant toi. C'est Alezrou qui se retourne et qui comprend rien de ce qui se passe, mais c'est tranquillement en train de bouffer et en fait il vient de prendre un méchant coup dans le dos sur une plaie qu'il avait déjà, il a pas trop aimé. Du coup il va essayer de te mordre dans un premier temps mon cher... voilà. Mon cher gros bas. Mm-hmm. Il va essayer de te mordre. Bon, 25. Oui, il touche. Ensuite, il te met un premier coup de griffe avec sa main droite, puis un deuxième coup de griffe avec sa main gauche. Ouais, bah les deux autres touchent pas. Et donc, en fait, il va toucher Groba, mais... comment toi, tu ferais appliquer les PV temporaires dû au fait d'avoir touché le portail? Et ben... Parce que du coup, ça les entame à peine, quoi. Enfin, ouais. Moi je pense que c'est vraiment un espèce d'ultra instinct qui se fait et qu'en fait au moment où il te touche du coup ça amoindrit ce que tu subis parce qu'en fait tu te détournes et là où ça aurait dû être une plaie béante, une grosse blessure, bon en fait tu n'as plus qu'une égratignure. Ouais c'est ça. Y'a pas un avantage par contre? Non parce que comme j'avais la surprise j'ai pas... Ah oui ok. J'ai pas fait de reckless. C'est à vous de jouer, il a fini son tour. Groba et Baerne et Aefin, je vais vous demander tous les trois un jet de sauvegarde de constitution s'il vous plaît. Parce que depuis que vous êtes à proximité Groba, de ce... plus 4. Ouais, j'ai l'aura de moule. C'est plus une aura de moule, du coup. 32. Pardon. Waouh. Non, j'ai pas d'avantage. Constitution. C'est juste 28. Parce qu'en fait, ça pue grave autour de cette créature. Aefin aussi, il faudra un jet de sauvegarde de consti, s'il te plaît. Ah, en plus 6 autant pour moi. Ok, c'est bon pour tout le monde. Vous êtes pour l'instant immunisé à cet effet pour les prochaines 24 heures. Du coup, vous pouvez jouer normalement. Dans l'ordre que vous voulez, parce que c'est vous, la surprise, qui avait l'initiative, quoi. Je suis en train de gueuler en courant, donc je continue de gueuler, de courir. Pour Moradin ! C'est le changement radical de croyance du perso, tu sais. J'ai toujours dit ça, mais personne ne me comprenait. Je vous jure, moi, je vais lancer un D6, c'est ça, pour voir si ça recharge ? Oui, c'est ça. Si ça fait 5 ou 6, ça recharge. Tape, du coup. Ça ne recharge pas. Non, ça rechargera pas. Attends, je vais juste un truc. Prouch. Ah oui, non, il était pas à portée. Hop. Ah, je tiens deux mains en plus. Hop là. Plus 10 en modif, c'est quand même sympa quoi. Hein. 16, c'est oui. C'est un oui. Hop. Tu smite ? Non. Ah oui, châtiment divin amélioré. C'est niveau 11. Ah oui, c'est vrai. Pardon, excuse-moi. Il y a vraiment la aura of hate. Il y a un plus 4 qui est ajouté, ok, ça me va. Tu peux me décrire ce qui se passe. C'est un truc statique. Tu peux me décrire ce qui se passe. Si Groba veut se mêler à cette narration, vous allez le tuer. Bah pour le coup, je vais arriver comme une furie en gueulant comme un putois en un.
Il s'est transformé en toi demain, du coup. Avant que tu décrives, en fait, Groba se souvient de la nuit que Bern a passé. Il a donné deux coups de hache. Il voit que la créature est à l'agonie. En fait, il va juste se mettre sur le côté pour laisser passer. Après toi. C'est un nain tueur, tu sais, de Warhammer avec les roquoises et tout. Je rappelle que vous avez les pieds dans une flaque de sang, en fait. Hein. Pour la description du truc, hein. Là, c'est là où vous êtes, c'est une piscine de sang. Hein. Juste avant, c'est du sol en dur, non, c'est, non, c'est du spongieux, partout, c'est du spongieux partout. Ok. Bah, ça change ce que je pensais faire. Je pensais sauter en l'air, mais à plus moyen. Donc, je vais juste faire de la stabilité, arriver en visant les genoux, en fait, et lui démettre un genou à deux mains. Le truc va s'effondrer et il va s'acharner sur sa tête. Et réduire en purée, en continuant de gueuler. Ok, la vénéritude du nain. Et le calme apparent, en tout cas, revient. Je me batte à deux haches et torse nu maintenant. En fait, c'est spongieux. Est-ce que ça fait comme sur un château gonflable où t'as les pieds qui s'enfoncent comme ça? Oui, c'est presque ça en vrai. Ouais, j'avoue que l'analogie est bonne, c'est presque ça. Ouais. C'est pas du terrain difficile du coup? Non. La piscine, si, le terrain, enfin tout ce qui est la piscine, okay. C'est pas vraiment une piscine, mais là où il y a du liquide, ouais, c'est du terrain difficile, sinon non, c'est pas du terrain difficile. Le calme revient. Et visiblement, il se battait pour un pauvre diable qui a subrepticement été dépouillé de sa coutille. Du coup, je vais l'examiner. Hein. Bon, c'est une coutille plus un, pour le coup, de très bonne facture. Quelle la propriété, pour le coup, assez infernale. Ah, bien en plus. Ah oui. Ça intéresse quelqu'un, je ne sais pas m'en servir, donc... J'ai oublié. Bah oui. Je ne sais pas m'en servir. C'est de la vie infernale, Groba, il n'a pas l'air du tout intéressé. Je préfère péter les genoux, honnêtement. Je sais pas si c'est à IA, c'est se servir de ce genre de choses. Les coutilles, je crois pas que ça fasse partie des armes de guerre. Je pense pas, hein. Non, je pense pas que... C'est une arme de guerre lourde à deux mains, donc... Mais bon, non. Ça vaut des sous, quoi. Par contre. Ouais. Au pire, mamie... Enfin, là, ouais. Moment, elle saura quoi en faire, hein. T'inquiète. Hein. Mm-hmm. Être fondu en plaque d'armure, pas de problème. Tu m'étonnes. Bah, je te la passe, du coup, si tu la veux. Bah, écoute, je suis toujours en araignée. Du coup, je l'attrape avec mes papattes. Et puis en fait, et je l'emballe dans du fil de soie, comme ça. C'est tellement pas con. Voilà. Ça veut dire quoi, Bern? Pareil avec le cadavre du diable. Oh, Bern qui se fait couper quatre fois la parole. Pardon. Pas de soucis. Est-ce que quelqu'un ici s'y connaît en symbole ou en religion? Enfin, à part moi, théoriquement, je veux dire. Peut-être que je vais me souvenir de choses qu'Alba m'a racontées, je sais pas. Que... Je vais essayer. Tu réponds juste. J'ai sculpté ça cette nuit, ça vous dit un truc? Je vais vous montrer l'espèce de bouclier, fendu que j'ai fait vraiment de la nuit. C'est de religion du coup. Est-ce que je peux regarder tes MP s'il te plaît? Fais gaffe. L'air de off limit là, je sais pas. Mais sinon dans la pièce, il n'y a pas d'autre issue que celle que vous venez d'emprunter. Vous avez maintenant deux cadavres de Ezrou qui flottent, en plus du demi-cadavre du diable, que tient un diable barbu, là, vous savez, avec les petits serpents dans la barbe, là. Non. Il avait autre chose sur lui, le diable, ou pas du tout? Non, il avait que ses habits, pas quoi, son slip. Pas de papier, ni rien. Pas de papier, non. Non, je sais pas. Il était pas venu ici pour poser une pêche, non. Au papier, pourquoi pas. Vos papiers, s'il vous plaît, t'as un rouleau de PQ. Très bien.
Ah. Tu peux faire un jeu de religion du coup. Non, ah, jamais vu. Il n'écoutait pas le jour où elle va lui apparaître. Fine, jamais vu non plus. Et ça, Aya peut en faire un aussi, oui. Bah, si elle veut, ouais. Tu pourras pas dire que t'en penses parce que t'es en araignée, mais. Je sais, mais tu ah, le pourquoi, sauras pourquoi, pas. Pourquoi je suis en avantage? 19 ou pardon. 1, bravo. Par défaut, de toute façon, on prend toujours celui à gauche, hein, comme d'hab, quand on se trompe. C'est la convention de cette table. On sera 19, ça ne te parle pas non plus. Ok. Je sais pas du tout à quoi ça peut correspondre. Le symbole du bouclier, c'est le symbole de plein de dieux, en fait. Donc le bouclier brisé, est-ce que c'est qu'il veut péter la gueule à certains dieux? Est-ce que ça représente l'ancien bouclier qu'il a perdu? Avec son corps d'araignée, elle fait... Tu peux comme si elle tourner la tête, elle tourne le corps. Elle lève les épaules comme ça, mais il y a 8 pattes qui bougent d'un coup. La Groba va juste dire ah bah non, je sais pas, je pas l'impression qu'Alba m'ait déjà parlé de ça. Hmm. Parce que toujours des trucs aussi bizarres. C'est une question de point de vue là pour le coup. Je l'ai fait pour moi, je l'ai pas fait pour quelque chose. Je me demandais juste si justement j'avais pas imité le symbole d'un dieu sans faire exprès. J'avais l'impression. J'ai pas eu l'impression que mes coups portaient comme d'habitude. Oh, c'est peut-être juste l'adrénaline. Est-ce que ça avait l'air vraiment différent d'habitude ces coups? De notre point de vue à nous. J'ai cru que tu demandais au MJ. Un peu aux deux en fait. Enfin, est-ce que t'as frappé vraiment d'une façon différente ou est-ce que... Je te laisse la main là-dessus. Juste pour toi que ça semblait différent. Je pense que c'est difficile à dire. Je pense que pour les autres personnes, ce serait peut-être plus éventuellement cet accès de colère qu'il a depuis la veille, plus qu'autre chose. C'est ce qui serait le plus logique en tout cas. Et est-ce que tu sens toujours la marée ou pas? Bon, je pense que non. Hein. Moi je pense que non, mais pareil, je te laisse la main là-dessus, c'est ton perso, c'est toi qui as fait une transition, on va dire. Dans ce cas-là, le seul truc que Groba va dire, c'est je sais pas, la seule chose qui est différente, c'est quand tu frappes d'habitude, j'ai l'impression de me retrouver à la mer, mais là, non. Je peux toujours sentir comme avant les traces de corruption autour de moi. Mais je sais pas, je le dois à quoi. Je sais pas même si c'est une bonne idée d'essayer d'utiliser ça. C'est peut-être que c'était juste toi depuis le début et que t'as cru que c'était un autre, mais c'était peut-être juste toi. T'avais dit, Bairn, que t'étais quelqu'un de fort. Ouais. Bon, contre, visiblement, c'est pas par ici. En tout cas, oui. Probable. C'est vrai qu'il en a rien à quête. Enfin, limite, il est en mode hyper rassurant, mais aussi et alors. Ouais, c'est bon, fais-moi pas chier avec tes conneries là. C'est bon, ton truc de QBD là, c'est bon. On aurait dû lui enlever son bouclier bien avant, hein, franchement. C'était le bouclier qui sentait la moule en fait.
Le bouclier de la plage, tu sais. Oui, bah, de toute façon, vous n'avez pas d'autre issue que celle par laquelle vous êtes venu. C'était une grande coquille, coquille Saint-Jacques, en fait. Avec le mollusque de l'autre côté, nickel. Entre la moule et Tibuisson, vous êtes bien, quand même. Hey, Finn, toi, qu'est-il... Enfin, c'est pas exactement la même chose pour moi, bien que ça se discute de ton point de vue, les discussions qu'on a pu avoir, mais... Toi qui étais lié par un pacte, que tu penses qu'il y a un risque que je continue d'utiliser certaines choses qui auraient dû disparaître sans savoir d'où ça vient. T'as vu ma gueule? Tu penses sincèrement que j'ai la réponse? Je sais même pas ce qui se passe depuis que... Je me suis occupé de cette situation avec Mel, donc je n'en sais absolument rien. L'avenir nous donnera peut-être raison en fonction, mais alors là... Aucune idée. J'espère que t'es bien avancé. Je sais que... Elle finit redevenu con, hein. Ah bah oui. Bah oui. C'est vrai. Bah oui. Ah oui, c'est Bert maintenant qui est intelligent. Pas ben encore, oui. Pas encore, il s'est pas lié. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir bientôt. Enfin, le RP, ça, les gars. Hein. Il s'est juste lié la barbe, il s'est pas encore harmonisé. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je... Oh, j'essaierai peut-être si les circonstances nous y poussent. Mais en attendant, je préfère éviter. Tant que tu commences pas à puer de nouveau, tout va bien pour l'instant. Enfin, je suppose. Je pense pas que c'est aussi radical. J'ai toujours ces stigmates sur la tronche. Ouais. Moins, mais oui. Attends, c'est quoi un stigmate? C'est pas les trucs au plafond des cavernes, là? Je me demande. No comment. J'ai eu un RP Icebreaker, bon. Là, par contre. Je suis désolé. Ça vous dirait pas qu'on avance, parce que... J'aime pas trop patauger dans la fange comme ça, mais... Bah c'est du sang, hein, c'est pas de la fange. En tout cas, pendant cette conversation... Vas-y. Ah, en fait, Saya ne pouvant pas participer, enfin, elle vous écoute, mais voilà, et en plus, comme elle a rien à dire, j'ai fait le tour au plafond, sur les murs, et il n'y a vraiment pas de sortie. Non. Toi, elle observe. Non, c'est un vrai cul-de-sac, ouais. Un vrai cul-de-sac, ok. Ben voilà, et puis effectivement, quand tu dis qu'il faut partir, j'ai l'air d'être de nouveau retourné du côté de là où on est rentré, et effectivement, je suis prête à repartir. Et en redémarrant, il y a Groba qui va juste dire en tout cas, Baern, je ne sais pas trop ce qui t'a décidé, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée de vouloir te séparer de cette chose qui était ton dieu, parce que il y a quand même plus d'une personne qui nous a croisé qui nous a dit de faire attention à toi, hein. Et moi je commençais à m'inquiéter vraiment beaucoup parce que tu changeais, mais là ça a l'air d'aller mieux. C'est compliqué de... compliqué de remettre en action un acte de foi par essence. Enfin... Peut-être. Ok. T'aurais tellement dû mettre ce putain de bandeau. Bah oui. Ouais, t'es drôle.
Mais en plus, je devrais parler comme un débile aussi, mais j'arrive pas. T'as pris de l'avance, t'inquiète. Mais mettez-lui pendant qu'il dort, il s'en rendra pas compte le lendemain. Je crois que Groba est plus intelligent que moi, en vrai. Largement, mais enfin, largement. Bah, ouais, si. Ouais, si, moi, je suis à 7. Hein. Ah ouais, d'accord, oui. On est vraiment dans un bon dialogue, là, tu vois, bon niveau de. Je parle trop bien depuis le début, hein, je devrais pas. 7 hein. Ouais, c'est la vraie dup, c'est la vraie. Ouais, j'ai un conseil, Bayern. Pour régler un problème de foi, il faut toujours combattre le mal par le mal. Donc, se mettre une bonne mine, comme jamais, dans la meilleure taverne de la Côte des Épées, à la porte de Baldur, je pense que c'est la meilleure solution possible. Et si non, la dernière fois qu'on est allé dans une taverne à la porte de Baldur, il y a les autres avec leurs points de feu là, qui sont venus nous chercher, et puis on s'est retrouvés ici. Non, hein, non. Mais c'est parce que t'étais pas avec les bonnes personnes. Attends. Je te dis. Moi j'ai mes entrées, je peux vous emmener partout. Oui, bah nous aussi on était rentrés, mais on n'a pas pu sortir de la ville à cause de ça. Mais remets en perspective, on n'est pas à El Turel, on n'est pas avec toutes ces merdes. Mais c'était pas à El Turel, c'était à la porte de Baldur. Vraiment cru qu'il y avait au chevet pour ce village d'ailleurs. Là t'as Oba qui se ferme, qui se ferme d'un coup. Il s'éteint. Il se met en veille. Ouais. Et derrière vous entendez les cliquetis. Narni qui s'impatiente. Saya qui s'impatiente. Saya nous attend, allons-y. Et il vous tourne le dos et il a la tête. Tu sais, il était en train de parler à la limite. Ça le faisait un peu chier de repenser à cette taverne, mais repenser au village, là, il enfonce sa tête dans ses épaules. Il est tout raplapla. Enfin, il fait toujours 2 mètres, quoi. Il ne fait plus que 2 mètres. Je vous invite donc à repasser par le token si vous souhaitez sortir de cette pièce pour retrouver votre plan qui vous perturbe autant. Normalement, ça devrait fonctionner. Non ? Si, c'est bon. T'es où ? Ah oui. Oui, ça fonctionne. Je vois pas. Yeah. Il est sous Saya. Sous Saya. Ah. Ouais, ah bon. Du coup, l'araignée est passée, mais pas Saya. Et oui, et donc c'est la caverne ici dans laquelle on était, quoi. Voilà, c'est ça. Ça marche pas. Ah bon ? Essaie de déplacer avec ta souris plutôt qu'au clavier. Je suis en train de déplacer avec la souris. Tic, tic, tic. Ça marche pas ? Ça a bien fonctionné. C'est bizarre. C'est parce qu'il y a le token Saya dessus. Ah bah oui, c'est ça. Attends, j'arrive. Ah voilà, là oui. C'est parce que moi, je sais passer qu'un seul de mes deux tokens. Après, je. Viens par là. Je pars et. Ah mais attends, mais oui, mais regarde, c'est parce que t'es passé à votre case. Hop. Votre case. Quoi, il m'en manquait une. C'est-à-dire qu'en fait, quand je passe le premier token, pouf, je pars, et du coup, je sais pas choper le deuxième. Oui, ouais, c'est... sur la carte. Mais normalement, maintenant qu'il y a l'araignée de l'autre côté, tu pourras juste passer en araignée, et puis c'est bon. Ouais. Et je remballe toujours ça. C'est bon pour tout le monde ? Il y a un gros bac qui s'est baladé. Hein. Ouais. Ah bah je suis retourné sur mes pas. Ouais. En vrai c'est rigolo ce truc quand même. C'est plus confort pour moi en tout cas. Vous avez visité donc cette pièce étrange qui au final servait à rien, mais vous êtes perdu dans un espèce de labyrinthe de tunnel, c'est aussi le jeu. Hein. Bon, Lulu, il va peut-être falloir mieux guider parce qu'on va pas quand même passer des heures et des heures là-dedans. Je fais ce que je peux, Aïfine, s'il te plaît. Bah fais mieux. Est-ce que tu pourrais remettre ton bandeau, s'il te plaît ? Pourquoi faire ? Je te trouvais plus agréable avec. À l'œil et à la voix. T'as jamais entendu le proverbe ? Un éléphant, ça trompe énormément. Il a pas tort. Non, je plaisante. Et elle barille en rigolant. Non, mais ils m'ont vexé, j'en ai marre, ils m'ont pris pour un débile de toute façon. Ouais, moi aussi j'ai une preuve, et j'agite ma barbe, c'est ça. Et puis t'as vu, maintenant il est dégueulasse le truc, je vais pas le remettre. Bon, vous voulez. Oui, c'est ça. Du coup, on doit repasser sur le petit bonhomme là ou pas ? Sur le petit bonhomme, ouais.
Allez, hop là. Après, c'est super cool. Je suis beaucoup trop fan en vrai. C'est stylé en vrai, ouais, franchement. Normalement, si je fais. Du coup, on va prendre l'autre chemin qui descendait. On doit faites attention de ne pas repasser dessus au retour, parce que sinon, ça, il n'y a pas de validation en fait. C'est juste vous marchez, ça part quoi. Et du coup, pour passer là en dessous. J'avoue que je. Oula, c'est pas trop. Étroit. C'est très étroit. Donc là, il va falloir par moment que vous descendiez, que vous accrochiez, faire de la semi-escalade dans le. Dans cette espèce de truc dégueulasse tout bout, tout spongieux là. Grobat, il vous laisse passer parce qu'à tous les coups, il reste coincé, plus personne ne passe jamais. Mais j'allais dire si. Sauf si elle reste coincée en araignée géante, mais sinon elle passe devant et en fait elle laisse un fil derrière en fait. Elle fait de la toile pour pouvoir justement aider les copains derrière et faire. Après. T'as dit que ça t'est déjà creusé à la griffe ou à la dent, à la pique, à l'épée. Donc on creuse en final, fait plus. Si on taille un peu, on va passer plus facilement. Oui. Bon, Marco, je pense que j'ai mis de la purée en purée. Face à vous, vous allez arriver vers une espèce de croisement de tunnel. En face, il y a une. Pour le coup, il faudra passer par le token si vous voulez aller en face. Donc, je vous demanderai de vous arrêter pour le moment. Pas par le token, par le petit bonhomme. Parce qu'en face, vous entendez que le tunnel fait du bruit. Il y a une espèce de vrombissement dans le tunnel d'en face. Un vrombissement de quel style? Une machine qui démarre? Non, plutôt un vrombissement d'insectes. Ah! On voit. Enfin, Lulu, ça te dit quelque chose? Rien de bon. Que sent ta trompe d'olifant? On se dirige vers le bruit? Je pose la question à Lulu. Ah, autant. Enfin, via Lulu. Je ne sais pas trop, honnêtement. Ça ne me dit rien qui vaille, mais je pense que où qu'on aille, de toute façon. Ne sera jamais bien. Vous êtes toujours contre le mur de la forteresse d'ailleurs. Allez. Je saute. Bah allez hop hein. Ouf. Pas le choix. C'est beau. C'est super pratique hein. J'avoue que j'aime plutôt bien. Vous êtes où? Vous êtes là. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Ah bah je suis sur la même map qu'avant. Ah, mais il y en a plusieurs. Ben oui, il y en a plusieurs. Ouais, moi, je suis paumé. C'est tout noir autour de moi. Ouais. Parce que t'es sous l'araignée. Mais moi, je vois rien non plus, par contre, du coup. Ouais, parce que je vois toujours la map où on vient de combattre en mode explorateur. Mais là, autour de moi, je vois rien de rien. Mais je vois mon token, mais je vois rien autour. Bah, ah, moi, je vois même pas mon token. Voilà. Moi, je te mets l'araignée géante. Tu vois pas que l'araignée géante? Ah bah oui, c'est normal. Attends. Regarde, ça ira mieux comme ça. Ah oui. Devant vous, vous entendez un vrombissement d'insectes pour le coup. Attendez, je vais essayer de le trouver. Il est où? On les voit aussi. Vous les voyez effectivement des insectes qui sont. Oh putain, la guitare quoi, les mecs ils sont chiants avec ça, hein. c'est rigolo, mais. Ça surprend de ouf. Hein. Ouais, à chaque fois ça surprend. Y a pas une petite transition. Non. Genre, bam, la guitare. Quoi. Ouais. Oui, il m'a mis une musique de bagarre. Une musique là ? Oui. Moi je suis toujours sur l'ancienne. Ah ouais, non, ça a changé. Ça a changé effectivement. Devant vous se trouve, comme vous pouvez le voir sur la carte, se trouve une scène des plus violentes pour le coup. Il y a une espèce de pile de chair sur la chair que constitue votre environnement. Fut un temps, ça a dû être un truc genre des diables ou des démons. Mais il y a très longtemps,
puisque très clairement, ça a été entièrement dévoré par les insectes qui, au votre vue, en fait, et quand ils vous entendent arriver, se mettent à s'élever dans les airs, comme ça, et à courir dans votre direction. Qu'est-ce que vous faites ? Bah moi, je balance. On peut considérer que mon truc, ça se soit rechargé. Sur la première, moi je suis un peu en avant au plafond et puis je balance La toile. La toile. Oh, c'est dommage, c'est un fumble. Ouais. Nice try. Tu tires dessus. C'est voilà. Moi je m'apprête à les recevoir. Hein. Ils ont l'air beaucoup. En fait, je vois pas les tokens. Ça a l'air d'être des gros insectes ou... C'est des nuées d'insectes. Ah ouais. Ils sont là. Bon, je suis au plafond, mais je pense que ça sent rien vu que ce sont des insectes et que ça vole. Fais une toile sur la largeur. j'ai raté ma toile et c'est. Donc vous réagissez à ça, les autres. Ils sont en train de vous voler dessus, très clairement. Moi je vais avancer et je vais taper. Ok. Pareil, je m'apprête à les écraser. Ok, Sprouch. Moi je vais me cacher de nouveau, je vais essayer de préparer une action, je vais attendre. C'est oui et c'est oui, gros bas. Ok. Voilà. Bah c'est très bien, il y en a une de moins. Tu vas mettre des énormes coups. En fait, tu t'as plutôt, tu sais, avec le plat de ta hache pour ouais, du coup pour venir les éclater. Ça, c'est la hache, elle ressemble un peu à un pare-brise, tu sais, sur la 7 en plein été. voilà. Pouch. C'est exactement ce qui s'est passé. J'en ai dans les dents. pendant ce temps-là, oh, tu vois une boule de toile qui part du plafond et qui s'écrase à tes pieds. Visiblement, on essaie de t'attaquer. Il y a peut-être une araignée agressive en haut. Les deux autres, tu te caches, toi, Efin ? Attends, je m'occupe de toi après. Et Bern ? Ah oui, ouais, bah, taper. Hein. Taper. Hop, ah, j'ai apporté en plus, nickel. On se prouche. Hop là, taper. Ça va du cul. C'est oui. Après, ça fait des maps un peu grandes quand même, vu que j'ai tout centralisé sur une seule feuille. Ok. C'est un oui. Hein. C'était un gros oui, ce coup-ci. Oui, 29, ça touche, oui, effectivement, c'est pas mal. Oh, les dégâts. Et c'est un sprouch. Effectivement, pareil, hein, le marteau, ça semble plutôt efficace quand même sur ces nuées d'insectes. Hein. Sprouch. Ça y va, très bien. Aïfine, toi t'as agi, Sourcy, tout le monde a agi. En fait, c'est aux nuées de jouets qui vont venir chacun choisir un adversaire. Mon cher Groba, il y en a un qui va essayer de t'attaquer. Oh, la fiche qui est mal codée. Oh. Hop là. Ah, mais des, ils sont tout noirs, c'est rigolo. Ça touchera pas. Bah oui. Et puis la deuxième sur Bayern. Voilà, même topo, à vous. Et je pense qu'on peut largement résumer la situation sur le fait que vous voyez que ce n'est pas du tout dangereux comme créature, puisque ce sont que des insectes. Il n'y en a qu'une qui touche, Robin. Ok. Ça tue pas. Mais Bayern, faut jouer. Ouais. Hop. C'est un oui. Oui, oui. Sur lequel par contre ? Sur celle qui t'a attaqué ? Sur celle qui m'a attaqué, ouais. Ouais. C'est un prouch. Oh bah la deuxième non. Sur l'autre du coup. Bah oui. Bah c'est un oui, c'est un touche. Oui, c'est un hit. Et c'est un prouch. Reprouch. Voilà. Voilà.
Oh, c'était que des insectes hein, pour le coup. Quand vous déplacez dans cette pièce pour le coup, vous vous rendez compte qu'il y a effectivement eu un massacre assez énorme ici. Puisqu'il y a plusieurs, probablement plusieurs dizaines de cadavres qui sont les uns sur les autres. C'était clairement, ils ont été entassés ici. Ils ont été entassés ici et ont été au moins plus que partiellement dévorés par les insectes qui se sont jetés sur vous le tour d'avant. Alors évidemment, c'est déduit hein, dans des insectes, il y en aura toujours autour de vous qui bourdonnent un petit peu, mais pas suffisamment pour vous attaquer. Quoi. Peut-être que de temps en temps, vous faites piquer un peu comme un moustique, là, vous voyez. Et le reste de la pièce, vous voyez qu'au bout, là, effectivement, il y a une espèce de cavité qui a été creusée. J'arrive plus à pinguer, c'est rigolo. Une espèce de cavité qui a été creusée, mais qui ne mène nulle part pour le coup, on dirait plutôt une fosse. Ça ? Ouais. Mais j'arrive pas à pinguer, je sais pas pourquoi mes pings s'affichent plus. Comme un puits en fait. Ouais, comme un trou qui était, ouais, là exactement. Un trou qui a été creusé, pareil, coup de dent, coup de griffe. Eh ben on va continuer dans le chemin en fait, parce que on va peut-être pas non plus s'enfoncer dans des puits sans fond. Bah, de toute façon là il descend de 2 mètres et puis après il n'y a plus rien, c'est un trou quoi. Ah oui, yes, okay. Ouais, c'est un trou, bah, ça. C'est là où ils étaient en fait. C'est quelque chose qui, voilà, probablement qu'ils ont commencé à creuser ici, ils se sont fait surprendre par quelque chose, se sont fait boucheriser et puis les insectes sont arrivés après quoi. Mais évidemment il y a de l'activité dans ces tunnels pour le coup. Vous pouvez réemprunter. Passer sur le bonhomme. Vous pouvez passer, ouais, okay, sur le bonhomme. Non, ça marche plus. Ah ouais ? Oh. Ouais. Il marche pas. C'est très fâcheux ça. J'arrive, je règle le problème. C'est chiant quand ça saute comme ça, les sandbox, c'est pénible. Hop là. Ça devrait être revenu normalement. Non ? Non. Ah. Bon, eh ben je vais le faire à la main, c'est pas très grave. Hop. J'aurai le problème la prochaine fois. Calcul des jetons. Merde, qu'est-ce que je fais là ? J'arrive pas. Ensuite, on a oublié de te demander dans la pile de cadavres, de anciens cadavres transformés en chair, il y avait pas toujours des petits trucs brillants qui sortaient, des... On n'a rien vu quoi. Il n'y avait plus rien. Pour le coup, non, il n'y a plus rien. Ouais. Okay. Voilà. Non, mais tous vos tokens ils sont là. Bon, ils sont tous empilés les uns sur les autres, mais. Ouais. Voilà. Je suis envoyé MP un titre informatif au fait. Il y a quelqu'un qui s'est téléporté, je crois. Sans faire exprès. Tu peux revenir, s'il te plaît. Ben attends, parce que je ne me vois pas. Attends, je le fais. Il y a un token de chèvre ou quoi ? C'est quoi cette histoire ? Quoi ? Hop. C'est rigolo. Hein. Yep. Oh, ça fonctionne pas, c'est ouf. Je sais pas. Ouais, attends, il y a un problème sur la. Attends, peut-être que si je reviens à l'avant. Hop. Il y a un genre de token de chèvre. Et où tu vois, ouais, ça. Il y a un token démon chèvre. De démon, ouais, voilà. Bah, pile là où on est, quoi. Ah oui, il a rien à foutre là, lui. Ouais, voilà. Il était pas... En fait, c'est le token avec lequel j'ai fait les tests sur les portails. Du coup, il est revenu avec vous en même temps. Il est revenu. je vais te faire revenir en gros bas à la main. Ouais. Ouais, bah, ce truc-là, il faut que je le peaufine pas la prochaine fois parce que c'est un peu. C'est le token bouc émissaire. C'est un peu ça. Hop là. Bien trouvé, bien trouvé.
Non, le token de bouc, il a rien à foutre là. Hein. C'était ça. Vous allez sortir de cette pièce un petit peu glauque pour le coup, une carrément glauque. Et vous allez vous retrouver de nouveau à un embranchement. Il faudra soit trouver un moyen de monter, peut-être en escaladant, peut-être en faisant un fil grâce à l'araignée, ou de continuer de descendre sur la droite. À droite, ok.